Salut mes amis et bienvenue à la maison. Ce ne sera pas aujourd'hui un plat, mais une collation, à savoir des beignes. L'élément principal sera bien sûr la farine, 600 g, et la levure, 3 bonnes cuillères à soupe. Ainsi que 2 œufs, vanille, extrait, sel, une pincée et le sucre 100 g. Les éléments de bouillon seront l'eau à 37 degrés, 150 ml, et le lait, 300 ml, à 38 degrés Celsius. Première étape, bol table, l'eau 150 ml à 37 degrés Celsius dans le bol, comme ça, cuillère, levure, 3 cuillerées, 1, 2 et 3. Un peu de sucre, je mélange comme ça, juste pour dire, une fois bien mélangé comme ça, je filme, attendons un quart d'heure. Pendant ces 15 minutes, j'ai largement le temps de mettre la farine dans le bol, comme ça, pas tout, environ 500 g. Bol monte, fontaine, et c'est bon. Après un quart d'heure hors local, mon levain a bien activé. Maintenant, c'est à moi de m'activer. Œuf, 2, casse comme ça, dans le bol. Vanille, une larme, sel, un petit peu, comme ça. Sucre, 100 g. Huile, 75 ml. Petit fouet, mélange comme ça un petit peu. Le lait à 38 degrés Celsius, 300 ml, comme ça. On mange un peu comme ça. Ceci est terminé, le levain. Le levain incorpore. C'est beau. Mélange un peu comme ça. Pour le fouet, c'est fini. Mélange, incorpore dans le bol, comme ça. Sur l'échelle de 10, vitesse 2. À mi-temps, Marise, je gratte les bords comme ça. Et c'est reparti. Machine arrête. Machine descend. Gratte les bords comme ça. Machine remonte. Machine repart. Le reste de farine, je l'ajoute. Machine descend. Gratte les bords. Machine remonte. C'est reparti. La pâte fait la boule. C'est bon. Machine descend. Crochet retire, bol retire aussi. Un peu de farine comme ça, je retire le crochet c'est fini. Corne, rac comme ça, je décolle un peu comme ça. Un peu de farine, super cool. Gros bol avance, chemise un peu comme ça, et la pâte comme ça. Un peu de farine, tapote, maintenant je filme. Filme, et deux. Maintenant c'est parti pour une sieste d'une heure. Après une heure de nose, ma pâte a quasiment quadruplé les volumes. Fume au tir comme ça. Farine. Corne et j'écrase. On appuie comme ça. Pâte table. Farine un peu comme ça. Tourne. Farine un peu comme ça. J'étale. Pâte coupe deux comme ça. La moitié sera pour demain. Pâte tourne. C'est assez. Emporte-pièce. Ces emporte-pièces, ils viennent de chez mon ami Rémi. Ils ont fait plus de 300 000 beignets, donc ils vont résister pour 5-6. Terminé. Maintenant le trou. Petit emporte-pièce. Terminé. Plaque fleur un peu comme ça. Beignet dispose. Des petites boules ensemble, un petit coin, comme ça. Le restant, je le filme, je le ferai demain. Maintenant, tout est prêt, j'attends que l'huile arrive à 185 degrés Celsius. L'huile est à 185 degrés Celsius, on y va. C'est assez. On est comme ça, un petit peu. Les beignets, c'est comme les baigneurs. Quand ils sont bronzés d'un côté, on les retourne. Les beignets sont bien dorés de tous les bords, ils sont contents. On les retire. Maintenant, les petites boules. On met un peu comme ça. Les boules tournent. Les petites boules frémissent de bonheur. Je les retire. Friteuse éteinte. Les beignets, je vais les rouler dans le sucre. Et on dresse. Les boules, c'est pareil, dans le sucre. Tourne et retourne, assiette. Une dernière, et voilà.
Décoration personnelle, feuille de menthe, comme ça. Contrôle de la qualité, croustillant, super cool. Maître d'hôtel, réveillez-vous, la collation de table 55 est prête, on enlève. Et merci à tous ceux qui me suivent du forum Twitch et à tous les autres, bye. Et merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez aimé, les commentaires sont les bienvenus. Tout le monde sait aujourd'hui que j'y réponds à tous. Et si vous avez oublié de vous abonner, abonnez-vous pour ne pas manquer une miette. Et nous avons aussi un site internet où nous avons commencé à mettre la liste des ingrédients des recettes. Et n'oubliez pas de suivre ma page Facebook et à la prochaine, bye.